Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Voilà, je suis super contente comme d'habitude là, parce que c'est vrai que je filme beaucoup moins de vidéos face cam. Mais là voilà, je recommence petit à petit, parce que bien évidemment il faut des idées de vidéos aussi, puisque voilà quoi, ça sert à rien de faire une vidéo si on n'aime pas le sujet. Donc en ce moment j'aime beaucoup faire des tests, donc je vous retrouve pour faire encore un nouveau test. Donc j'en avais fait déjà deux, donc je vous les mettrai dans les petits i, les deux autres vidéo que j'ai faite où je teste quelque chose. Comme je vous avais dit d'ailleurs dans la vidéo précédente, il me semble, si je ne dis pas de bêtises, je vous avais dit que j'allais tester ce masque-ci qui est un patch pour le nez au charbon de chez Sephora. Donc voilà, comme je vous avais dit, j'ai acheté pas mal de masques, etc. et j'avais envie de les tester avec vous, bah, pour ceux que je n'ai pas encore testé. Et celui-ci, genre, je pense que la terre entière, enfin surtout les femmes, c'est vrai que les hommes ils sont pas trop du genre à enlever leurs points noirs, mais en tout cas, toutes les femmes qui ont quelques points noirs et eh bien elles ont envie que ce genre de choses fonctionne. Voilà, c'est un patch anti-impureté. Voilà, testé dermatologiquement, machin, bidule, enfin bon. Ils disent purifiant et désincrustant, donc logique, puisqu'en fait c'est fait pour enlever les points noirs normalement. Alors derrière, ils nous disent ça marche. Alors ça, j'ai bien hâte de voir, parce que franchement, si enfin je trouve un patch pour le nez qui fonctionne et qui enlève réellement les points noirs, ce serait une révolution, quoi, clairement, puisque je n'attends que ça en fait de ce genre de produits, parce que c'est vrai que c'est génial de pouvoir enlever ses points noirs, quoi. C'est quand même un petit peu plus joli, surtout quand comme moi on ne met pas de fond de teint. Si vous aussi vous ne mettez pas de fond de teint ou de correcteur ou quoi que ce soit sur votre peau, hormis voilà éventuellement les yeux et la bouche, bah, comme moi en fait, bah, c'est vrai que c'est cool de ne pas avoir de points noirs. Bien sûr, n'importe qui, même celles qui se maquillent, n'ont pas envie forcément d'avoir des points noirs, mais bon, en tout cas bref. Donc il n'y a qu'un seul patch dedans, je ne me souviens plus exactement du prix, c'était peut-être 2-3 euros, je me souviens plus exactement, je vous le dirai au pire, je vous mettrai le lien de toute façon du masque sur, enfin chez Sephora. Donc ils disent patch enrichi à l'extrait de charbon, retire efficacement les points noirs et désincruste les pores. Voilà, hein, c'est tout ce qu'on attend. Élimine les impuretés et excès de sébum. Bon, ça à la limite, il faut que ça marche, hein, bien sûr, que ce soit le cas. Mais moi je recherche vraiment que ça, faut vraiment que ça enlève les points noirs, comme c'est tout ce que je veux. Pour une peau lisse, nette et plus éclatante. Pendant que je vais lire les petites instructions, je me filmerai en fait pendant que je fais chaque étape. Je ne sais plus parler. Pendant que je ferai chaque étape de ce qui est écrit. Donc, la première étape, c'est de démaquiller, nettoyer parfaitement le nez, retirer le film protecteur transparent. Donc, en ce qui concerne démaquiller et nettoyer, ça je l'ai fait juste avant. Donc ça, cette étape-là, je ne la ferai pas. Et voilà, après, retirer le film donc protecteur transparent là-dessus. Ensuite, appliquer le patch sur le nez mouillé. Côté noir contre la peau, humidifier à nouveau pour que le patch adhère parfaitement au contour du nez. Et ensuite, ils nous disent, pour la troisième étape, de laisser agir pendant 15 minutes. Ensuite, il faut tout simplement retirer délicatement le patch, rincer pour enlever les éventuels résidus. Voilà, il y a tout simplement ça. Alors par contre, si ça marche, je pense pas que je vous montrerai de près les points noirs qui sont éventuellement enlevés. Enfin, c'est assez dégueulasse, donc je ne pense pas que je vous montrerai ça. Je vous le dirai bien sûr. Aucune raison de vous mentir. Enfin, d'ailleurs, au passage, c'est vrai qu'il y a énormément de personnes qui font des vidéos et qui mentent sur leurs produits. Enfin, on ne parlera pas de ces personnes, mais bon. Donc voilà, et puis bah, une fois que j'aurai fait toutes ces étapes-là, je vous dirai bien évidemment ce que j'en ai pensé. Bon, je vous retrouve après ces fameuses 15 minutes. Comme vous pouvez le voir, j'ai un petit peu cette zone-là rouge. Donc on va finir la vidéo avec un nez rouge, c'est magnifique. C'est complètement normal, hein, tout simplement, parce que ça colle énormément. Et donc après, vous arrachez, forcément, ça sensibilise à donf votre peau, tout simplement. Et voilà, ça arrache, quoi, donc un petit peu comme si vous vous épiliez le visage, quoi, donc voilà. Donc là, pas d'inquiétude, hein, ça me brûle pas, c'est pas désagréable, ce n'est pas comme ce fameux masque au charbon de chez Action que j'ai testé. Donc alors, que dire, effectivement, premier point, ça m'a enlevé des points noirs réellement. Après, je n'en ai pas énormément et je n'en ai pas des gros, donc forcément voilà, c'est, mais je voyais quand même les tout petits, il y en avait plusieurs, donc vraiment de cette zone là parce que là ici bah, je pense pas en avoir, en tout cas il n'y en avait pas sur le truc, et pourtant ça m'a bien arraché
ce côté-là, ça m'a plus enlevé du duvet qu'autre chose, je pense. Mais vraiment au niveau là, et puis un petit peu au-dessus du nez, mais surtout là, parce que c'est vrai que la plupart d'entre nous, on a surtout, c'est surtout cette zone-là où on a des points noirs. Après j'en ai un petit peu sur tout le nez, mais vraiment ici particulièrement. Je ne sais pas pourquoi c'est plus ici qu'ailleurs, mais bon voilà. Et donc bah ça marche, ça c'est la vérité. Voilà, il y avait plein de petits points noirs. Alors forcément ça va pas tout enlever, ça je l'imagine bien. Je suis pas sûre que ça existe vraiment, quelque chose qui fonctionne à 100%, mais ça m'a vraiment enlevé plein de petits points noirs. Donc vraiment je suis satisfaite, parce que j'en ai déjà utilisé quelques-uns, pas beaucoup hein, mais quand même de quelques marques différentes, même voilà, qui se mettent aussi là, j'en ai déjà utilisé et ça n'a jamais fonctionné. Ça accrochait à peine, alors que là ça colle vraiment. On sent déjà le truc durcir à force bah, quand on l'a mis, et donc sécher un petit peu, forcément on met de l'eau, donc on sent que ça sèche et donc que ça durcit. Et quand je l'ai enlevé, vraiment voilà, je sentais que ça m'a bien arraché le nez quoi. Ça fonctionne, ça c'est voilà, c'est la vérité. Vous dites moi si vous l'avez déjà testé, bah si jamais vous avez un petit peu plus des plus gros points noirs que moi, bah me dire si jamais ça a fonctionné aussi sur des plus gros points noirs. Et voilà, je suis très contente. C'est pas un truc que je ferai toujours parce que je sais que c'est pas forcément bon, déjà ça ouvre tous les pores etc, donc il faut faire quand même attention. J'ai le nez tout doux et effectivement pas du tout gras, donc voilà, pour le sébum aussi c'est la vérité. À combien de temps ça dure après, j'en sais rien, à mon avis c'est le temps d'une journée ou deux peut-être. Donc là je suis très contente, je dis que effectivement ce produit fonctionne, donc voilà, je vous invite éventuellement à le tester, il est vraiment cool, en plus je, voilà, donc je viens, il coûte vraiment pas cher. Donc voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu, que ma gueule avec mon nez rouge vous plaît aussi. Je vous dis à très très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao !